Je ne pouvais absolument pas sortir du lit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Imed. Tu viens, mon cœur? Oui, mon Dieu. C'est bien, la magie. T'es l'été dans la savane. Oh, à la sieste, donc j'en ai profité pour aller prendre ma douche, pour me préparer. Petit énorme coup de cœur, franchement, son magasin Nature et Découvert. Je vais vous montrer un exemple de petit déjeuner que vous pouvez faire. Est-ce qu'un jour, on va montrer Nia? Pourquoi on la floute? Pourquoi on ne l'a toujours pas montré? Comment tu vas? Ça va, ma chérie? Oui, mon amour. T'as quel âge aujourd'hui? Virginie, t'es combien? Le 14 janvier. Ah oui, tu commences à grandir. T'as mis une petite combinaison avec des petites chaussures. Regarde, t'as pris ton bain. Là, on est un dimanche matin. Et t'as ta petite carte que t'aimes bien. Regarde, je vais te la montrer, tu vas être contente. Tu vois? Ben oui, mon bébé. Et nous, on t'aime beaucoup, ma chérie. T'as pas encore tes dents? Non, non, pas encore. Viens à la caméra, regarde. Je vais te retourner le face cam. Et tu vas beaucoup aimer. Ben oui, c'est toi la caméra. Allez, je t'aime, mon cœur. Non, 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 non. Papa et maman qui sont derrière. Il y a même qui a une petite gastro. Ouais, grave, je suis en train de ranger l'arrière de la porte. Voilà, c'est mieux comme ça. Moi, je peux fermer la porte sans galérer. On se retrouve... Est-ce que j'ai vlogué dans ce vlog? Oui, mais pas beaucoup. Comme je vous avais dit dans le dernier vlog, vous m'avez vu à la fin de la vidéo faire un haul. Et donc ce jour-là, on était vendredi. Et dans cette nuit-là, une gastro est apparue. Bon, je pense que bien avant, parce qu'en fait, Nia a chopé une gastro. Je pense que ça, c'était quand on était parti aux urgences. L'infirmière qui a vu Nia était extrêmement malade. Elle faisait que d'éternuer, elle faisait que tousser. Enfin, vraiment, elle était vraiment pas bien. Bref, je pense qu'elle a chopé un microbe là-bas. Donc bah, logiquement, je l'ai attrapée par la suite. C'était une nuit très 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 compliquée. J'ai jamais eu la gastro de ma vie. Bah j'avoue que c'est hard. Mais bon, le principal c'est que Nia va beaucoup mieux. Ça a duré bien un jour où je ne pouvais absolument pas sortir du lit. Je me suis battue corps et âme pour vous publier le vlog que vous avez vu pour le coup la semaine dernière. C'était très compliqué pour moi de monter cette vidéo. Dites-vous, j'étais comme ça, les yeux fermés, j'avais que envie de vomir. Et je montais le vlog en même temps. Bon, il a eu un peu de retard, mais notre seul rendez-vous sur YouTube. Donc franchement, j'avais pas envie de le rater. Donc c'est pour ça que... Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Imen. Oui, c'est pour ça que bon, je me suis quand même un peu apprêtée. Et là, on va sortir. Merci. C'est l'anniversaire, maman. On fait une petite bouche ce matin. Donc bon, je vous ai aussi épargné dans ce vlog ma voix parce que j'ai une voix cassée. Donc là, je crois que Nia, ça doit faire une dizaine de jours qu'elle n'est pas sortie. Donc là, on s'est dit qu'on va prendre l'air, ça va aussi nous faire du bien. Donc on va sortir tous les trois, on va profiter de cette journée tous les trois ensemble. Voilà les filles, dans la nuit de vendredi jusqu'à samedi 23h, vous pouvez pas sortir du lit. Pourtant, je suis quelqu'un de nature, même si je suis pas bien, même si je suis malade, même si j'ai mal, même si je souffre ou quoi, je me bats tout. C'est de ma nature. Les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis. Vous, que j'ai fait des compétitions de gym avec des fractures, etc. Et que je devais être arrêtée. Enfin bref, on m'a toujours vue comme une folle. La naissance de Nia, c'est la première fois que je suis restée toute la journée au lit. Vraiment, c'est Ayub qui a assuré toute la journée avec elle. En même temps, j'avais pas non plus envie de lui redonner. Enfin, je sais pas si un enfant, quand il attrape par exemple une gastro et qu'il la refile, est-ce qu'on se la redonne comme ça? J'espère pas, mais bon, bref, j'étais masquée, etc. pendant un petit moment. Ça a duré, en fait, comme je vous ai dit, un jour. Après c'est parti, après je me sentais beaucoup mieux le lendemain. Qu'est-ce que j'étais heureuse le lendemain juste de lui donner à manger. J'avais littéralement avant ça pas la force de me lever, pas la force de faire le moindre effort. On est dans la période hivernale, tous les virus traînent, c'est pas évident. Et c'est pour ça que je voulais littéralement pas la sortir du tout. Mais là je pense que ça va à tous nous faire du bien. Et voilà, Nia est prête. Son écharpe, elle est juste hyper belle. Vraiment elle est très jolie, elle vient de chez Sergent Major. J'ai acheté tout le kit, vous savez, avec les moufles pour les mains et le bonnet. Waouh, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui. Tu vas rester avec maman aujourd'hui. Restaurant favori pour moi, ça reste quand même votre piano. J'aime beaucoup votre piano, c'est des années maintenant. Je sais pas si je prends en fait des pâtes ou une pizza. Prendre des pâtes et une pizza? Non, je vais prendre les deux. Je commence à reproduire un peu le goût de la piano avec mes risottos. Ouais, de ouf. Hein? Ah, Ayub en ce moment il nous fait des risottos avec des langues d'oiseaux et bref, des risottos aux légumes au poulet. Trop trop bon, on vous montrera un jour la recette. Vraiment, c'est super. Le riz avec la couscous à la viande. Ah ouais. Le riz à la viande, là quand elle était malade, là, elle avait la gastro, je lui fais un riz avec la viande. Un riz fumé avec de la viande délicieuse. Vous essayez vraiment de regarder le menu? Allez, je vais regarder le menu, je vais choisir et après ce sera au tour de papa. Viens, viens, viens.
Elle a vu la caméra, ça y est, c'est mort. Ouais. Tu viens, mon cœur? Oui, mon Dieu. Oui. Maintenant, on commande sur le téléphone. C'est un nouveau parfum de chez Jacques Addis, c'est le rose. Il sent bon celui-là. On y a aussi, elle nous accompagne à table. Bon, on lui a mis le plaid ici parce que la chaise, elle est trop grande pour elle encore. Parce qu'elle glisse un petit peu dedans, donc pour la caler correctement et la mettre en sécurité, on a mis ça. Elle a déjà mangé, hein, elle a mangé tout ça. Un petit peu de sauce piquante. Est-ce que t'en veux, toi? Ouais, vas-y, vas-y. Ou j'en mets, on en met que. Non, vas-y, vas-y, fais. Oulala, 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 oulala. Oulala. De toute façon, c'est pas très piquant. C'est pas une pizza, c'est devenu du pain avec de l'huile d'olive. Elle est bonne, celle-ci, c'est la chicken Alfredo. C'est la pizza que je prends tout le temps si je dois choisir une pizza. Elle est vraiment, vraiment bonne. Comment on mange, il y a faim. On va lui donner son yaourt en même temps. Ça va être une cuillère chacun. Donc là, on avance l'heure du goûter un petit peu. Mmh. Là. À la ferme, c'est le printemps. Les animaux profitent du beau temps. Je la vache, je la vache. Oh, c'est bien la vache. T'es l'été dans la savane. Bella. C'est quoi ça, hein? Ça, c'est quoi ça? Un bison. Non. C'est pas ça? Un buffle? Non? C'est pas un bison? Le bœuf musqué. Je vais essayer de lui acheter des livres sonores, ça c'est super bien. On a trouvé des trucs sympas pour l'IA nature et découverte, je vous montrerai une fois qu'on rentre. C'est là comme ça. Ouais. Ça tu me dis quand c'est bon. Quand tu veux. C'est vrai. Comme ça, comme ouais, ça. Ou plus vers là, comme ça descend. 1, 2, 3. Oh. Oh là là. Oh, joyeux anniversaire, elle est belle! Oh, elle est belle! Super! C'est vrai! Maintenant, go faire rapidement le montage pour que je puisse publier ce réel. J'ai piqué le peignoir d'Ayou. Je vais faire une activité avec Nia ce matin. D'ailleurs, je vous prévois une vidéo sur Insta. On va montrer au tata ce que t'as fait la dernière fois. Regardez le chef-d'œuvre de Nia. Je vous prévois une petite vidéo hyper 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 sympa que je filme sur plusieurs jours. Franchement, je m'y plais de ouf les filles sur le format que je vous propose là-bas. Et en plus, je suis contente parce que vos retours sont hyper motivants et ça me donne envie de continuer. Donc c'est cool quand bah, tu fais quelque chose et que tu as des retours qui sont positifs. YouTube reste la base, on est d'accord, mais je suis contente de varier mon contenu, de proposer d'autres choses. Donc ce matin, réveil à 7h30 pour Mia. On a bien joué toutes les deux. Une heure et demie, un truc comme ça, même un petit peu plus. Là, il est 10h. Bah, oui, c'est pour toi, mademoiselle, elle est toujours avec moi, là. Et, bah écoutez, on va faire une autre activité. Donc là, je l'ai posée sur sa chaise, vu que je suis en train de préparer le repas du midi. Et c'est trop bien, hein. Et maintenant, tu peux jouer. Vas-y, fais-moi un joli chef-d'œuvre. Vas-y.
Sophie, je vais prendre mon petit sachet de compléments alimentaires de la marque Cure. J'ai l'occasion d'être en collaboration avec eux, mais je suis aussi cliente chez eux depuis que j'ai découvert la marque, parce que ça m'apporte vraiment tout ce qu'il me faut au quotidien. Et croyez-moi que quand je n'en prends pas, ce qui est rare, parce que maintenant, comme je vous ai dit, depuis que je les connais, je fais en sorte de tous les mois avoir ma cure. Donc voilà, ça se présente comme ça. D'ailleurs, Ayoub aussi prend des compléments alimentaires de cure. Des choses comme ça que tu découvres et que tu peux plus t'en passer, parce que clairement, ça m'aide dans mes journées qui sont énormément dans le rush. Je voyais pas forcément, mais je suis quelqu'un de très actif. Donc même quand je suis fatiguée, je suis toujours très à fond. Donc bah ça m'aide vraiment à assurer des journées, de me complémenter en vitamines. Et surtout, comme vous le savez, j'allaite encore Nia. Il n'y a pas beaucoup de compléments alimentaires qui sont compatibles avec l'allaitement. Donc toutes les mamans qui sont là en train de me regarder derrière cette vidéo et qui allaitent et qui souhaiteraient avoir des compléments alimentaires efficaces, parce que franchement Cure, c'est des produits qui ont des actifs hyper efficaces, les filles, vraiment vous allez voir du résultat sur vous. C'est tout simple, vous vous rendez en fait sur le site, ils vont vous poser des questions, c'est hyper ludique, c'est pas du tout genre le questionnaire chiant que t'as vite envie de terminer. Franchement c'est quelque chose de très rapide à faire, qui vous prend pas beaucoup de temps, et en fait à la suite des réponses que vous aurez à apporter, ils vont vous proposer une cure adaptée à vos besoins. C'est une marque que je vous recommande encore une fois à 100%, vous allez pas être déçus les filles. Moi les cures de vitamines, c'est un indispensable vraiment au quotidien, donc pour toutes les jeunes mamans, et pas que les jeunes mamans, mais je vous dis les jeunes mamans parce que nos journées demandent énormément d'énergie. Je suis certaine que ça vraiment ça va vous aider. Et au-delà de tout ça, vous allez apprécier prendre ces compléments alimentaires et les commander, les recevoir à la maison, parce que franchement c'est hyper bien fait. Je vais vous remontrer, j'ai repassé commande, donc là je vais refaire encore une cure de 3 mois. Mais voilà, vous voyez, vous recevez une box comme ça avec votre prénom, c'est personnalisé en fonction des besoins que vous avez, et tout. Tous les jours en fait bah tu tires ton petit sachet et tu peux même l'emporter avec toi si t'as pas le temps de le prendre à la maison, par exemple si tu files au boulot, même si tu pars en déplacement. Ce qu'on avait fait avec Ayoub, on avait pris le nombre de petits sachets qu'il nous fallait. Bref, dans tous les cas je vous affiche sur l'écran mon code et le lien du site qui est juste en barre d'infos. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je m'en passe plus des compléments alimentaires, parce que bah j'en ai besoin, clairement j'en ai vraiment besoin. C'est une marque qui est efficace et comme je vous ai dit, leurs actifs sont vraiment de très bonne qualité, donc vous allez le ressentir très rapidement en quelques prises, vous allez vous sentir beaucoup mieux en journée. Bref, j'attends vraiment vos retours. Profitez du code que je vous partage pour celles qui sont à la recherche d'une cure adaptée à vos besoins. Les filles, énorme coup de cœur franchement sur le magasin Nature et Découverte avec Ayoub. On a dû passer une demi-heure facile à tourner dans le magasin, à découvrir ce qu'il y avait et tout. Il y a énormément de choses hyper intéressantes pour les enfants, pour plus pour les jeunes enfants. Les bébés, il y a des trucs, mais plus pour les jeunes enfants, il y a des activités hyper ludiques. Bref, on va s'y rendre beaucoup plus souvent. Donc on est passé aussi à Primark vraiment très rapidement. J'avais besoin d'un tablier comme ça pour les repas. Franchement, ce type de petit tablier, c'est super pratique. Donc ça a coûté 4 euros. Tu veux dire bonjour? Bonjour les tatas. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Oh mon amour, je t'aime. Elle me fait tout le temps ça en ce moment, je vous jure. Et le matin quand je la prends, elle vient me faire plein de bisous. Mais vraiment c'est assez impressionnant. Je continue à montrer ce qu'on a trouvé. Il y a certains trucs d'ailleurs que je vais te mettre de côté. On poursuit toujours à Primark. J'ai trouvé ces petites chaussures trop mignonnes. Enfin petites bottes, vraiment elles sont super sympas. Voilà, elles étaient en réduction. Elles sont passées à 3 euros. J'ai pris ces chaussons pour la maison. Alors je trouve ça tellement plus pratique quand c'est au-dessus de la cheville. C'est plus difficile pour elles de les enlever tout simplement. Et l'avantage de cela, c'est que de une, bah, c'est tout molletonné à l'intérieur, donc le matin et tout, je pourrais lui mettre quand elle sort du lit. Et c'est à scratch, donc nickel. Et on a un bavoir juste là, le bavoir par contre je le laverai. Et à Nature et Découverte, on va... Attendez, je vais tout sortir, comme ça je vais pas faire de bruit avec le sac. Pour commencer, j'ai pris ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un pochon avec plein de mini coussins. En gros c'est des petits coussins sensoriels, il y en a plein, c'est à moins 70%, de base ils étaient à 20 euros. J'ai kiffé ce magasin, j'ai kiffé. Voilà à quoi ça ressemble, c'est hyper sympa. Franchement, allez jeter un coup d'œil, surtout là en période de solde, c'est très intéressant. Voilà, en fait, dans l'idée, elle va les attraper, elle va les toucher, elle va les comparer. Je lui ai pris des jouets, mais qui sont pas encore de son âge, mais c'est pas grave, pour moi c'est pas perdu. Bien au contraire, je le mettrai de côté pour son anniversaire par exemple.
parce qu'ici on est sur du 18 mois. En fait, c'est des petits animaux comme ça en bois à visser. Et je vais vous dire ce qui est dit derrière. Là, on sera vraiment sur un petit travail de motricité fine. Donc, bref, juste génial. Donc, je lui mettrai de côté. Ici, on a un puzzle comme ça, pareil, qui est passé à moins 50%. Donc, déjà, les prix, je les trouve pas excessifs. Mais en plus des remises, trop contente de ces achats, vraiment. Donc, bref, je l'ai trouvé super joli, ce petit puzzle avec les petits animaux de la savane. Et ici, on est là pour le coup sur un jeu de 24 mois. Un petit jeu en fait qui a pour objectif de stimuler, vous savez, tous les sens et surtout la dextérité. Donc ça c'est juste génial. Je suis vraiment contente de cet achat. Quand on y jouera de toute façon, on vous montrera à ce moment-là. Mais voilà, il y a un petit dé. C'est vraiment un vrai petit jeu de société pour les petits. Donc là, comme vous voyez, on est sur un jeu de 24 mois, voire plus. Ça me fait penser encore une fois à ma maman. Elle a toujours été comme ça. Elle achetait toujours... toutes les choses en avance, vraiment. Donc le jour de nos annives, elle avait déjà tout en fait, mais largement en avance. Justement, quand elle trouvait des bons plans comme ça, elle n'hésitait pas à les acheter. Oui, c'est pour toi. Oui, c'est un énorme puzzle en bois, mais c'est pas pour maintenant, comme je t'ai dit. Regarde, tu as ça, tu as aussi ce jeu, mais ceux-là, tu vas les découvrir un petit peu plus tard. Je vais pas les ouvrir maintenant, d'accord? On va les laisser tout propre dans leur boîte. C'est joli, ça. C'est de quelle couleur? Ça c'est jaune, ça c'est orange. Maman va te préparer le petit déjeuner. Je vais la faire un tout petit peu cuire. En vrai j'ai pas besoin parce qu'elle est quand même bien mûre, mais bon, je préfère. Voilà. Des bon, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'ai reçu ma fameuse cure, donc je suis hyper contente. Il me restait deux sachets, donc là je vais vraiment pouvoir continuer sans m'arrêter, donc c'est génial. Alors attends, je prends un petit couteau. Voilà les filles, comment vous recevez votre cure avec la fiche récapitulative. Il y a un récap de toutes les capsules que je prends, donc ça c'est hyper bien. Qu'est-ce qu'on a? Ça y est, tu vois, ta banane elle est cuite. On va la laisser refroidir un petit peu et je te mélangerai ça après. T'as vu les bananes? Oui. Puis, je vais vous montrer un exemple de petit déjeuner que vous pouvez faire. Alors, je vais prendre que la moitié. Je dirais que je préfère quand même la pré-cuire pour que ce soit plus simple pour elle. Je la laite avant, etc. On joue un petit peu et arrivé vers 9h30, c'est ce que je lui fais. Ça lui fait un petit truc consistant avant le repas du midi. Puis, je viens ajouter juste un petit peu de yaourt. Et ça, je le laisse pour tout à l'heure. Voilà un petit exemple de petit-déj. Franchement, ce que je peux vous demander dans cette vidéo, c'est si vous pouvez me donner des autres exemples. Même si l'alimentation principale, hein, ça reste en tout cas le matin le lait. Là, j'étais sur un yaourt nature, mais ça suffit vu que la banane, elle est déjà sucrée. Les filles, Nia est à la sieste. Donc, je pense que c'est l'occasion de répondre à la fameuse question qui, je pense, est l'une qui est le plus revenue depuis que Nia est née. C'est totalement légitime d'ailleurs. Est-ce qu'un jour, on va montrer Nia? Pourquoi on la floue? Pourquoi on ne l'a toujours pas montré? Je parle aussi au nom d'Ayoub, hein, mais on a un avis qui est bien tranché là-dessus. Déjà, dans notre cercle familier, dans notre cercle perso, c'est une question qui nous a souvent été demandée. Est-ce que vous comptez la montrer dans les vidéos, etc. Nous, déjà d'une, vous nous entendrez jamais dire « Jamais on te fera ça, jamais nanani !» On est de une pas comme ça, et surtout, vous ne nous entendrez pas avoir un discours à, et quelques temps après, avoir un deuxième discours. C'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé, tout simplement parce que on ne savait pas si on allait la montrer tout de suite. Dans le sens où jamais on ne vous aurait dit non, jamais on vous montrera Nia, vous ne la verrez jamais. Et quelques temps après, comme par magie, vous la voyez. C'est pour ça que déjà d'une, avant qu'on ait Nia, on n'a jamais abordé ce sujet de est-ce que si on a des enfants, on les montrera, etc. Parce qu'on ne savait pas. Et surtout qu'on n'allait pas vous apporter une information qui peut-être quelques temps après allait changer. On s'était forcément posé cette question et pour nous, on s'est dit ouais, genre il n'y a pas de souci. Vous êtes une communauté en or, il n'y a rien à vous reprocher, vous êtes d'une bienveillance incroyable. Donc là-dessus, aucun problème. Et surtout, on s'est dit, ça fait partie de notre quotidien, donc montrer nos enfants et tout. C'était un peu la suite logique. Vous voyez, vous nous avez vu évoluer, vous nous avez vu grandir. Et c'était même une super expérience de dire que vous allez voir aussi nos enfants grandir. Donc comme je vous dis, jusqu'à ce qu'on ait une IA. Je savais que j'allais pas la montrer tout de suite, les premiers mois, ses premiers jours, etc. Ça, c'était un
petit peu sûre. Mais c'est vrai que là, on est presque à 9 mois de Nia. Dimanche, elle aura 9 mois et vous ne l'avez toujours pas vue. Même si vous l'avez aperçue, on ne vous l'a jamais présentée officiellement. Et c'est tout simplement parce que, en fait, je ne saurais même pas vous dire pourquoi. Quand t'es maman, ton objectif principal reste de protéger tes enfants. Je dis pas que je la protège contre vous ou quoi. C'est pas ce discours que je veux avoir et c'est pas ce discours qu'on a. Mais tout de même, au fond de nous, on a ce truc de ouais, on a envie de la protéger, on a envie de la garder pour nous, on n'a pas envie de l'exposer comme ça au monde, surtout qu'elle est petite. Et en fait, c'est vraiment ce sentiment qui s'est développé après la naissance de Nia. C'est non, en fait, on a envie de la garder que pour nous. Vous voyez, c'était vraiment ce truc-là. On n'a aucun souci avec vous, etc. Vous êtes des amours, comme je vous le dis très régulièrement. Mais on avait vraiment ce truc très très fort de non, on n'a pas envie. Vous voyez, genre ce truc de on a envie de la garder pour nous. Même si en vrai, on vous la montre indirectement, mais je sais pas, c'est différent entre la montrer, son visage, etc. et la flouter. Voilà la première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'on compte un jour vous la présenter? Et la réponse est oui. Depuis qu'on est sur notre chaîne, on n'a jamais abordé ce sujet, je vous ai jamais répondu parce qu'on attendait de vivre la chose avant de vous donner notre avis. Même si nos avis peuvent changer, peuvent évoluer, mais c'est rare que vous allez nous voir changer d'avis, c'est très très rare. Même dans nos vies à nous, on est comme ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas forcément répondu à l'instant T et immédiatement. Vous allez finir par voir Nia, pour le coup, l'avoir vraiment évolué, l'avoir vraiment changé, parce que mine de rien, le floutage, une misère, c'est une galère sans nom de continuer à la flouter pour le moment. On vous tiendra au courant quand on aura le déclic et quand surtout on souhaitera vous la présenter officiellement. Voilà, c'est vraiment ce petit truc à la maternité de ouais, non, en fait, elle était toute petite, ouais, elle était toute fragile, je me voyais pas genre la montrer comme ça et tout. Et je pense que ça, c'est un truc aussi qu'il faut pas négliger, mais il n'y a pas que des bonnes personnes sur les réseaux sociaux. C'est un peu quand même venu dans notre esprit, mais vraiment pas. Je vous jure, hein, même quand on est en privé avec Ayoub, on n'est pas là à dire ouais, il y a des gens mauvais, on sait jamais. Il y en a, hein, ça, c'est malheureux, mais il y en a. Mais on n'était pas dans ce truc-là. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne la montre pas. Voilà, pour répondre à cette fameuse question, vous comprenez aussi pourquoi on a pris autant de temps à y répondre, pourquoi on n'a jamais abordé ce sujet. Pourtant, c'est vraiment une question très récurrente. Donc là, je me suis dit, ce serait peut-être le moment d'y répondre. Il y a presque un an, donc je vais quand même apporter une petite réponse. En tout cas, j'ai très très hâte de vous la présenter. Vraiment, parce que je dis pas ça parce que c'est ma fille. Même si je pense que toutes les mamans disent la même chose, mais c'est un bonbon. Vraiment. Donc ça arrivera. Je vous tiendrai au courant quand on vous la montrera, mais pour l'instant, pas encore. En tout cas, pas dans l'immédiat, mais je vous tiendrai au jus. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Après, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao, ciao.